Tout d'abord, merci d'être parmi nous ce soir. En ce 23 janvier 2019, nous célébrons la fin des travaux de rénovation du centre commercial de Portet-sur-Garonne, véritable locomotive économique de l'agglomération toulousaine. Avec cette rénovation qui a débuté en septembre 2017, notre mission était d'apporter plus de convivialité et de proposer les meilleures conditions d'accueil pour nos clients. Cette rénovation est un nouveau souffle pour ce centre historique qui compte 111 enseignes et qui accueille près de 6 millions de visiteurs par an. J'ai beaucoup de plaisir à être là ce soir pour fêter avec vous la fin des travaux du parking et de la galerie. C'était un mal nécessaire, mais je pense que ça sera un bien durable et chacun peut apprécier dès maintenant le résultat. Ces travaux, je l'espère, vont renforcer l'attractivité du site qui en a besoin en améliorant le confort des clients. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'Audrey a dit sur ce confort amélioré et en leur proposant l'image d'un centre qui évolue avec son temps. Donc j'en profite aussi à remercier M. Biasini et Mme Delval, bien sûr, avec Carrefour et Clépierre, parce que donc on a un partenariat sur des travaux, bien sûr, mais on a un partenariat aussi, on travaille beaucoup sur l'animation au niveau de la ville. Ils sont très présents, par exemple, à notre festival. Ils aident beaucoup nos associations. Et donc on a vraiment un vrai travail en commun, Galerie Marchande, Carrefour et la ville et le Muretin, bien sûr. Je prends la parole donc au nom des commerçants de la galerie. Je tiens à remercier toutes les personnes qui donc ont permis ces travaux, de près ou de loin, de nous avoir donné une si belle galerie. Je suis convaincu que cela va permettre d'offrir un nouvel élan à notre centre commercial et surtout à nos commerces et d'offrir à nos clients un nouveau parcours. C'est par votre travail, notre joie de vivre, qu'on fait du chiffre, qu'on gagne des sous et que nos clients sont contents et qu'ils reviennent, ou alors qu'ils ne vont plus à Blagnac et qu'ils viennent chez nous. Donc continuez, j'espère que, voilà, comme elle l'a dit, il va y avoir d'autres projets, on compte sur vous. Je parle au nom des commerçants, mais surtout au nom du bureau, pour vous dire que voilà, il faut rester investi dans ce que vous faites, dans votre travail, garder la pêche. Je déclare donc la cérémonie de l'inauguration des travaux de rénovation du centre ouverte.